Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va unboxer la box. Oulala, que c'est lourd, Degusta box du mois de mai. Donc voilà, je vais vite la reposer parce que c'est pas léger quand même. Donc voilà, donc tout ce qui est Degusta box, information et tout ça sera en barre d'infos. Donc si, bien cheveu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y aura tout ce qui est prix, abonnement, s'il y a des offres de parrainage, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos. Si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil. Donc, pour tout, bon, bah, ma soeur a déjà ouvert la box, hein, comme d'habitude. Elle a déjà mis sa petite main dedans. Elle l'a ouverte, ça me facilite plutôt bien la tâche. Alors, Degusta box. Donc là, on a un petit premier flyer avec, du coup, une Degusta box en édition limitée. Donc voilà, c'est celle-ci que j'ai prise, du coup. Donc je vous la présenterai au mois de juin. Il n'y aura pas, du coup, la Degusta box classique. Il n'y en aura pas deux, quoi. Il n'y aura pas la Degusta box classique. Il y aura celle-ci, la sélection. Donc en fait, je ne sais pas s'ils en font une classique ou pas. Mais bon, moi, j'ai pris celle-ci à 17,99€. Il y a un code promo, CEL22, hop, qui est ici, qui apparaîtra à l'écran pour avoir une remise. Donc du coup, ça vous la fait à 17,99€ au lieu de 20,99€, et c'est une petite box en édition limitée. Donc voilà, on découvrira ça au mois de juin, je crois qu'on les reçoit au mois de juin. Donc voilà, on découvrira ça ensemble. Ensuite, il y a un petit prospectus avec 50 centimes de réduction immédiate sur un produit à le jaquet, comme ça. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Un autre avec des pompotes comme ça. Donc je pense qu'on va avoir des pompotes dans la box. Et du coup, on a comme d'habitude le petit menu avec derrière des recettes. Là, on a des toasts à l'avocat et au maquereau. Pourquoi pas, ça m'a l'air très bon. Et comme d'habitude, on a le menu. Donc là, le thème de ce mois-ci, c'est pique-nique au soleil. Alors il me semble qu'ils avaient déjà fait ce thème l'année dernière. Alors, leur thème n'est jamais respecté, hein, donc ne vous étonnez pas si rien n'y correspond. Ça me gratte le pied. Donc on va commencer tout de suite, comme ça, ça fait pas 10 ans, donc désolé s'il y a du bruit, mais du coup, bah, les sachets des fois font du bruit. Donc là, on commence tout de suite. Donc là, on a du coup des focaccia à l'origan, à l'huile d'olive vierge, 4,5%. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc en fait, c'est des pains à burger, hein, tout simplement. Mais ça doit être du coup au grain ou quoi. Vous voyez là le dessin. Ça m'a l'air assez bon, ça, franchement. Pourquoi pas. Par contre, je vois que la date d'expiration, c'est jusqu'au 15/06/2022. Donc j'ai intérêt de grouiller. C'est fabriqué en France, c'est du pain spéciaux. L'origan est d'origine non Union Européenne, et l'huile d'olive de l'Union Européenne, au sens, on s'en fiche un peu, à dire. Mais voilà, c'est fabriqué en France. Donc ça coûte 2,15€. Il y en a 4 à l'intérieur. Donc découvrez la focaccia jaquet à l'origan. Laissez-vous surprendre par sa mie moelleuse et son aromatique prononcée d'origan et d'huile d'olive, sans oublier ses alvéoles caractéristiques d'un pain focaccia. Ah oui, c'est le petit trou comme ça là. Attendez, vous voyez pas là. Donc voilà, donc vous pourrez la déguster selon vos envies avec une multitude d'ingrédients grâce à son usage sandwich disponible en grande et moyenne surface. J'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Écoutez, si c'est très bon, je rachèterai. Ça coûte, c'est quand même pas donné, hein, 2,15€, voilà. Mais bon, après, je sais que tout augmente au fur et à mesure, donc c'est vrai. Et je sais pas si vous verrez, mais c'est nouveau, donc ça c'est cool. Et c'est aussi pour ça que je prends la Degusta box, pour découvrir des nouveaux produits. Donc ça c'est le cas, donc ça c'est cool. Et ça, ça rentre du coup dans le thème, puisque tout ce qui est sandwich et tout pour les pique-niques, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, ça c'est cool. Je vais tout mettre là, parce que sinon ça va me prendre une place phénoménale. Ensuite, on a... On ne peut pas faire un pique-nique sans les fameuses chips, n'est-ce pas? Donc on les retrouve enfin. Je crois que ça faisait 2 ou 3 box qu'on n'en avait pas eu, il me semble. Donc voilà, on les retrouve enfin. Donc là, on a du coup des brettes, la craquante, c'est les normales en fait, juste avec une pincée de sel de Guérande. Donc voilà, c'est un Nutri-Score B. C'est un format de 250 grammes. Donc voilà, en plus c'était marqué là en gros, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc de 250 grammes, c'est à l'huile de tournesol, 100% français, c'est une nouvelle recette. Je sais pas trop ce qui change de l'autre, mais voilà. Des chips, bon, ça c'est pas extraordinaire, hein. Chez Degusta Box, on en reçoit presque dans toutes les boxes. Donc ça coûte 2,49€. Donc pour s'adapter aux demandes des consommateurs à la recherche d'un snacking plus sain, Bretz a retravaillé sa recette de chips nature en réduisant de 45% la teneur en sel. Elles deviennent ainsi les premières chips de pommes de terre classées Nutri-Score B. Ça c'est bien par contre. La chips craquante dévoile son goût authentique de pommes de terre relevé par une pointe de sel de Guérande, disponible en grande et moyenne surface et sur le site de Bretz.
chips. Donc voilà, des petits chips. Donc ça c'est exactement bien sûr dans le thème pique-nique. Mais par contre on en reçoit presque tous les mois. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, ça fait partie du thème. Donc vous ne pouvez pas faire un pique-nique sans des chips. Donc voilà. Ensuite, on a du coup, ah ben voilà, comme je vous le disais, des petites pommes potes. Donc voilà, ça aussi ça fait partie du thème, un pique-nique. Donc là on a des pommes potes, pommes, poires, raisins blancs. Ah ça c'est nouveau aussi, non? Parce que je n'ai jamais vu au raisin blanc, ça m'a l'air bon. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est un format de 4. C'est un Nutri-Score 2A, donc ça c'est cool. Pour le prix, c'est 2,05€ les 4 gourdes. Donc c'est quand même assez cher. Moi, il me semble que quand j'en achetais, c'était pas aussi cher. Mais bon, après, voilà. Il y avait du coup deux goûts différents. Donc il y avait pomme, pêche, fruit du dragon. Oh, ça j'aurais kiffé avoir. Mais bon, c'est pas grave. Un raisin, j'aime tout autant. Donc voilà, pourquoi pas. Découvrez les pommes potes, les petits explorateurs. Une nouvelle gamme ludo-éducative de compote en gourde qui éveillera la curiosité de vos enfants. Pas que, hein, moi aussi je les mange. Hein. Avec ces recettes originales, ils partiront à la découverte de civilisations anciennes et auront l'occasion d'explorer de nouveaux goûts grâce à des associations tri-fruits, dont un fruit inédit. Donc voilà, ça c'est cool et franchement je pense que je vais adorer. C'est trois fruits que j'aime beaucoup, donc ça c'est cool. Les pommes sont d'origine France. Un peu, on va dire, mais voilà, écoutez, très très bien, ça pour nos boulots ou quoi, moi j'adore, donc très bien, parfait. Et oui, ça fait partie du pique-nique aussi, hein, c'est simple à emporter, donc voilà. Ensuite on a du coup, je vois, deux bouteilles comme ça. Donc ça c'est le produit du mois, donc je sais pas trop ce que ça change en fait, le produit du mois par rapport aux autres, mais bon, on a deux petits trucs en papier bulle comme ça. Donc ça m'a l'air d'être des bières, je vois Henneken, donc Henneken c'est des bières. Comment ça s'ouvre? Ah bah comme ça. Donc voilà, ah, celle-ci, je ne les connais pas. C'est le Silver. Alors moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais finir d'ouvrir ça. Bon, je ne vais pas ouvrir l'autre en caméra, c'est la même. Oui, c'est ça. C'est la même, donc je ne vais pas l'ouvrir, comme ça évite de faire trop de bruit. Donc je ne vais pas la boire, je déteste la bière, c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout. Donc là, c'est une Henneken Silver. Je ne sais pas ce qu'elles ont d'autres par rapport aux Henneken normales. Donc c'est, voilà, c'est un format de 250 ml. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc il y en a deux, hein. Deux par box, oui c'est ça, deux bouteilles par box. Donc là c'est la Henneken Silver Extra Fraîche, 4,32€ le pack de 6 bouteilles. Donc nous on en a deux, donc je vous ferai un petit produit en croix comme d'habitude. Découvrez la nouvelle Henneken Silver, la bière blonde en goût doux et extra rafraîchissante qui la rend accessible à tous les palais. Grâce à sa parfaite harmonie des saveurs, sa fine pétillance et sa texture soyeuse et légère en bouche, Henneken Silver offre un rafraîchissement incomparable qui la rend agréable à déguster en toute occasion, disponible en grande et moyenne surface. Et ça, écoutez, ben mon frère et mon père les boiront, ça y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je leur offrirai volontiers. Donc voilà, deux petites bières, ça aussi ça fait partie du pique-nique. Mais bon, après pour ceux qui aiment pas l'alcool, ça c'est un peu pénible, mais bon, hein, on peut pas gagner à chaque fois. Donc voilà, ensuite on a ici une petite bouteille comme ça, donc ça c'est trop mignon, c'est de la marque Colomus. On avait déjà eu un jus de pomme, je crois, je sais plus, de cette marque là que j'avais beaucoup aimé. Donc là on a un thé noir glacé, parfum nectarine verveine infusée. Ça ça m'a l'air trop trop bon. C'est une bouteille en verre, donc ça c'est cool. Donc ce petit truc coûte 1,20€ quand même, pour, je sais pas le grammage, il n'y a pas le grammage là dessus si, c'est juste moi qui n'y vois pas clair, hein, c'est tout, tout simplement. 250 ml, donc voilà, c'est pas beaucoup quand même. Donc, inspiré des recettes proposées dans les Café Shop Columbus, voici le thé glacé bio et sans sucre ajouté à base de thé infusé. Le thé noir glacé, nectarine et verveine, le tout dans une bouteille en verre à consommer bien glacé avec les beaux jours qui arrivent. Disponible en grande et moyenne surface, donc voilà. Ça, j'ai hâte de goûter, franchement, très frais, ça m'a l'air top. Et voilà, nectarine, verveine, je pense qu'on ne prend pas trop de risques. Donc ouais, ça je pense que je vais kiffer. Et en plus une bouteille en verre, donc ça c'est cool. Peut-être que le format est un petit peu petit, mais bon, voilà, pour moi toute seule, hein, ça passe. Et pareil, c'est un truc pique-nique, quoi. Je veux dire, une petite bouteille comme ça de thé glacé, très très bien, parfait. Ensuite, on a ici une Contrex Green antioxydante à l'infusion d'hibiscus saveur mûr cassis. Hop, comme ceci. Donc c'est une grande bouteille de 75 centilitres. Hop, comme ça. Donc ça, c'est 1,25€. Ça va, c'est pas si cher, je trouve. Découvrez Contrex Green antioxydant, de délicieuses boissons à l'infusion de plantes enrichies en zinc. Le zinc a pour rôle de protéger efficacement les cellules de notre corps contre le stress oxydatif qui les fait vieillir prématurément et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Donc voilà, disponible en grande et moyenne surface. Donc voilà, une Contrex. Ça, ce sera bu. C'est un Nutri-Score de C quand même. C'est pas si bien noté que ça. Hein. Pourtant, c'est Contrex et tout. Mais comme quoi, vous voyez, les marques, c'est pas forcément super clean. Donc voilà, écoutez, ça, ce sera bu, hein, comme d'habitude. Mais je peux toujours le racheter. Surtout que ça n'a pas un Nutri-Score super bien noté. Donc voilà, ce sera bu. Vous verrez mon avis sûrement dans les produits terminés. Mais ça, je suis pas emballée. Hein. Je trouve que c'est une boisson pour mettre une boisson. Voilà. Et pourquoi pas. Mais... Ensuite là on a des bonbons du coup. Donc là c'est de la marque Haribo, c'est les Gold Bears comme ceci. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en gros c'est des oursons. Mais là cette fois ils sont nouveaux parce que c'est au jus de fruits comme ça. Hop, voilà, ça se présente comme ça. Donc là c'est 1,50€ le paquet. Découvrez les nouveaux Haribo Gold Bière Jus avec 25% de jus de fruits, 6 goûts fruités, les originaux orange, pomme, framboise et les nouveaux banane, pêche et cerise. Toujours sans colorant artificiel, disponible en grande et moyenne surface dans les boutiques Haribo et sur le site laboutiquearibo.fr. Donc voilà, des bonbons, ça ce sera mangé, hein, comme d'habitude. Après je trouve que oui, c'est dans le thème du pique-nique, mais bon après ça casse pas non plus 4 pattes à un canard. Mais bon, c'est nouveau, donc pourquoi pas, et de toute façon ce sera mangé, hein, mais voilà, c'est pas non plus une découverte folle. Ensuite, ah bah ça c'est sûr que ce sera mangé, j'adore ce truc, c'est de la marque Kerkadelak, hop comme ceci, là on a un moelleux chocolat et pépites de chocolat comme ça, donc ça, ça m'a l'air trop trop bon, franchement c'est un truc que j'adore. Donc c'est un prix de 2,69€, découvrez le moelleux marbré au chocolat et pépites de chocolat au lait, un gâteau à la texture moelleuse avec un marbrage inédit. Ouais, je suis pas sûre que ça change quelque chose, mais bon, s'ils le disent. Une recette élaborée avec des ingrédients simples, de la farine et des œufs français, sans huile de palme, sans colorant, un moment de gourmandise à partager en famille, disponible en grande et moyenne surface. Donc voilà, il n'y a pas de Nutri-Score, c'est un format de 450 grammes. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Ça, ce sera mangé, hein, c'est sûr. Ma famille, on raffole toujours de ça et tout. Donc ça, c'est sûr que ce sera mangé. Et ça, pour le coup, oui, je trouve que ça fait bien pique-nique emmener et tout. Moi, je suis tout à fait capable d'emmener ça en pique-nique. Il n'y a pas de souci. Donc là, pour le coup, je suis très contente. Ensuite, là, on a du coup des pâtes, hein, des coquillettes. Ça, ça change pas. Et je trouve que pour un pique-nique, enfin, je veux dire, comment tu fais cuire les pâtes pour le pique-nique à part d'emmener un micro-ondes. Mais bref, c'est pas grave. Donc là on a un format donc, de 500 grammes de la marque Lustucru. C'est les coquillettes prêtes en 3 minutes. Hop, comme ceci. Donc voilà, c'est un paquet de pâtes. Hein. Donc c'est un prix de 1,39€. Les pâtes Lustucru prêtes en 3 minutes vous permettent de régaler toute la famille en seulement 3 minutes. Leur secret, la même recette qu'une pâte classique, mais une épaisseur plus fine pour une tenue en bouche parfaite avec une cuisson plus rapide. Gourmandise assurée, disponible en grande et moyenne surface. Donc voilà, c'est un paquet de pâtes, hein, ça casse pas 4 pâtes à un canard, ça on connaît. Il n'y a rien d'extraordinaire, par contre ça je trouve que ça fait pas partie du thème. Vous voyez, c'est un peu bizarre, mais bon, ça sera mangé comme d'habitude. Du coup là on a encore un paquet de bonbons, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Là, on a du coup de la marque Haribo, on a les Happy Veggie, hop, comme ceci. Donc ça, par contre, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. On a même une petite réduction là à valoir sur l'achat d'un sachet Haribo Happy Veggie 170 grammes, comme j'ai celui-ci. Donc voilà. Donc ça, ça coûte 1,65€. Donc, qu'est-ce qui est moelleux sans gélatine et au bon goût fruité? C'est Happy Veggie, le premier bonbon gélifié doux sans gélatine signé Haribo. Ces délicieux bonbons en forme de fruits sont sans gélatine et sans colorant artificiel. Retrouvez une multitude de saveurs dans le même sachet. Framboise, fraise, cassis, poire, orange et citron. Aussi bon que moelleux, Happy Veggie saura combler les petits et les grands. Disponible en grande moyenne surface dans les boutiques Haribo et sur le site boutiquearibo.fr. Décidément, Haribo, ils avaient de la pub à faire. Hein, parce qu'entre ça et l'autre sachet, ça commence quand même à faire beaucoup. On mange pas des bons becs tous les 4 matins, donc voilà, je trouve ça un peu beaucoup, mais bon après ce sera mangé, hein, comme d'habitude. Mais voilà, ça je suis pas, enfin je suis fan parce que c'est des bonbons en soi et que ce sera mangé, mais voilà, je trouve que ça fait beaucoup de bonbons.
Et ensuite, le dernier produit de cette box, c'est ceci. Donc, c'est de la marque Petit Navire. C'est des filets de maquereau à l'huile d'olive et tomates séchées. Donc, ça, j'adore. Hein, le maquereau, c'est vraiment quelque chose que j'ai kiffe. Donc, là, ça coûte 1,50€. C'est quand même pas donné. Hein, pour une petite boîte comme ça de 90 grammes, je trouve ça quand même cher. Donc, on pouvait recevoir 3 conserves parmi 3 saveurs. Donc, moi, j'ai huile d'olive et tomates séchées. On pouvait aussi recevoir huile d'olive vierge extra et huile d'olive citron gingembre. Voilà, n'importe lequel m'allait très bien. Là, c'est disponible en grande et moyenne surface. Découvrez le goût savoureux et la texture fondante du maquereau grâce à la nouvelle gamme de petits filets de maquereau Petit Navire. Twistez facilement vos repas et vos apéros avec ces recettes gourmandes à l'huile d'olive vierge extra. De plus, ces recettes sont sans arôme ajouté. Cela signifie qu'il n'y a ni arôme artificiel ni arôme naturel dans ces produits. Donc voilà, un petit produit comme ça. Pourquoi pas, écoutez, ça ce sera mangé. C'est un Nutri-Score C, par contre, bon après c'est normal, c'est du macro. Mais voilà, ça ce sera mangé, hein, comme d'habitude, je ne suis pas non plus emballée, mais voilà. Écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez de cette box. Moi, vous avez eu mon avis des produits en direct, comme d'habitude. Hein, je trouve que de toute façon, beaucoup de produits sont redondants par rapport à d'autres box. Mais bon, après... voilà, je sais que c'est un peu dommage pour ces box parce que j'aime beaucoup, on découvre pas mal de bonnes nouveautés, surtout des produits voilà, qu'on n'aurait pas l'habitude d'acheter ou quoi, donc c'est plutôt top. Après c'est vrai que c'est beaucoup, ouais ça se répète pas mal, mais bon après hein, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette box dans les commentaires, vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aussi vous aimez les unboxings en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner juste ici pour ne louper aucune de mes prochaines vidéo et d'activer la petite cloche, ça n'en permet promis de n'en louper aucune. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.